مشاهدي الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده لقناه اطلس التي تعنى بشؤون مغاربه العالم. جسر للتواصل بين ابناء الجاليه المغربيه ووطنهم الام لتمكينهم من الاطلاع على كل المستجدات من الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه. نتابع. وفي أطلس سبور نلتقي بالبطل المغربي من فرنسا أمين بطاش أثناء زيارته لإحدى النوادي الرياضية بالبيضاء. Combattant franco-marocain, résident à Paris en France. J'ai 31 ans, j'habite à Saint-Denis, je suis ici de la Team Avenger au Stade de France. Ici au Maroc, je m'entraîne à la Gym Factory parce que je trouve que voilà, c'est y a une bonne ambiance, des bons coachs et une bonne cohésion de groupe avec un bon effectif et du bon matériel car on a besoin vraiment d'être bien pour bien s'entraîner, pour avoir des résultats. Surtout quand on s'entraîne 5-6 heures par jour. Donc c'est difficile, donc on a besoin de bon équipement. Et ici, on est assez servi. Voilà, j'ai fait un championnat du monde de Pankido. C'est la deuxième édition. C'est un sport que ça fait 20 ans, on va dire, que ça existe. C'est un dérivé du Sambo que j'ai remporté en 2016. J'ai fait les championnats d'Europe Master 1 à Lisbonne, que j'ai remporté. C'est pas exceptionnel, mais j'avais trois mois de kimono dans les pattes. C'est ça qui est exceptionnel et je suis plutôt fier de ça. J'ai gagné le Naga, j'ai remporté le Naga en Master 1 et adulte, Gi et No-Gi. Dans la même journée, j'ai fait Gi, No-Gi et Master 1 et j'ai remporté les trois compétitions. En 2016, j'ai fait le Rio Challenge au Brésil. Je suis arrivé deuxième. C'est une compétition brésilienne. Voilà, j'ai fait le championnat de France de grappling gi. C'est un dérivé de la lutte avec des soumissions en ceinture bleue que j'ai remporté. Voilà, j'ai fait plein d'autres compétitions en grappling, en jiu-jitsu. J'ai fait quelques combats en pancrace aussi, en pankido. Maroc, ça fait trois semaines et trois semaines que je me prépare à Gym Factory ici à Casablanca. Je trouve à Beau Séjour, un quartier Beau Séjour, je trouve que c'est une très très belle salle et une très belle ambiance et de bons profs. Et juste avant ça, j'ai fait toute ma préparation au sol à la Team Avenger à Saint-Denis au Stade de France, qui est ma team avec qui tout a commencé, ma team de cœur et voilà. Et ici aussi, ils ont un très 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 bon prof et très pédagogue. Dernièrement, on vient de recevoir Amine Bétache, donc qui a un parcours atypique dans le sens où il a progressé très vite et a fait ses classes très rapidement. Donc moi, je l'ai connu, il était déjà venu une fois à l'ouverture de Gym Factory. Il était venu nous voir, il avait fait un petit passage éclair. On n'avait pas plus sympathisé que ça, pas plus travaillé ensemble plus que ça. Donc ensuite il est parti et ensuite il m'a recontacté en me disant que voilà, il aimerait bien se préparer ici au Maroc, à Casablanca. Et il m'a dit qu'il aimerait bien faire sa préparation ici avec moi. Donc on a commencé il y a à peu près deux semaines, donc à raison de deux entraînements par jour. Donc entraînement le matin à 10h30, donc on va dire que c'est plus de la préparation physique et de la musculation ou aussi de la préparation physique spécifique au MMA. Ensuite, le soir, on passe à des entraînements sur les disciplines.
Donc ça peut être de la boxe anglaise, de la lutte, du MMA ou du jiu-jitsu. Donc voilà, là ça fait 2 semaines qu'on travaille, ça s'est super bien passé. Le démarrage était un petit peu dur et ensuite le corps il prend l'habitude et voilà. Je pense que Amine est prêt et est bien affûté. J'espère qu'il gagnera ses prochains combats et qu'il reviendra encore finir ses préparations ici au Maroc et représenter le Maroc à l'étranger. Et j'espère qu'on ira en plus haut de la plus belle catégorie du MMA mondial. Le cadre qu'on a ici au Maroc, c'est un cadre paradisiaque. Je pourrais pas vous dire que c'est les vacances parce que je m'entraîne le matin, ma préparation physique. Le soir, on a les sparring et on a la technique. Donc dur de dire que c'est des vacances. Le soir, je finis à 22h, le temps que je fasse ma douche et le temps que je fasse ma douche, que j'aille manger, déjà 11h, 11h et quelques. Et je rentre, je suis très très fatigué. Donc j'ai pas le temps de sortir, ni même de profiter de ma famille. Bon, j'ai le week-end où je me repose, alhamdoulilah. On sait déjà ça, mais déjà, le cadre pour moi, c'est magnifique. C'est pour ça que je viens aussi au Maroc pour préparer mes grosses échéances. Alors, on a de grands champions ici au Maroc. Et de grands champions marocains qui combattent à l'étranger, mais qui représentent bien sûr le Maroc. Une association en 2015 qui s'appelle Permis de rêver. C'est une association qui permet de venir en aide aux jeunes en difficulté, les faire sortir un peu du quartier parce qu'il y a plein de jeunes au jour d'aujourd'hui qui sont laissés à l'abandon dans nos quartiers. Leurs parents n'ont pas assez de moyens pour les ramener en vacances ou s'occuper d'eux vraiment, vraiment bien. Quoi. C'est difficile chez nous en France. Et même ici au Maroc, je sais que c'est très difficile, c'est le même combat. Et je les aide aussi à travers le sport. J'ai reçu une belle distinction par la ville de Saint-Denis, la ville d'où je suis issu, avec le prix du sportif et du citoyen de la ville pour les actions et que je mène aussi au quotidien dans ma ville avec les jeunes et tous les cours que je donne gratuitement parce que je donne des sessions de cours gratuitement, bénévolement. Parce que, comme je le redis encore, il y en a plein qui n'ont pas les moyens de venir s'inscrire au sport ou autre. Ici au Maroc, je vais souvent à la plage, je donne rendez-vous à des jeunes de Hey Hassani, de Loulfa, des jeunes à qui je suis parti à leur rencontre pour les ramener avec moi là-bas, pour leur apprendre le sport et pour les faire sortir un peu de cette ambiance du ghetto, de l'alcool, de la cigarette, des mauvaises fréquentations. Je sais que ça les fait évader, je sais que ça leur fait du bien, parce qu'eux-mêmes le disent, tu vois. Et moi, à travers eux, je me voyais, eux se voient à travers moi. Peut-être qu'à travers moi, ils disent « Ah, Inch'Allah, lui aussi, il habitait dans un quartier difficile et il a réussi à s'en sortir, pourquoi pas moi ?» Et aussi, j'ai visité l'orphelinat de Hey Hassani. Avec Inch'Allah, on est en pour parler, pour être en collaboration, pour que je puisse venir donner des cours là-bas, car ils ont un donjon aussi, un donjon là-bas. Voilà, donc Inch'Allah khair. Le sport au Maroc, il se développe mais à une vitesse grand V. On a des salles
On a des salles ici à Casa qui n'ont rien à envier au Maroc en général. À Casa, que ce soit Casa, Marrakech, dans les grandes villes comme ça. On a des salles qui n'ont rien à envier à l'Europe. Même aux États-Unis, je pense. C'est pas pour. Voilà. C'est pas des paroles dans le vide. Faut le voir pour y croire. J'ai un projet ici qui me tient vraiment à cœur ici au Maroc. C'est de faire de grandes sessions de sport géantes à travers tout le Maroc et à travers les gros monuments marocains, retransmis à la télé bien sûr, pour faire connaître le pays, les beaux endroits du Maroc et au monde. Au monde, vous savez, là à côté de la mosquée Hassan II, à côté de la place Jamal Ifna, à Essaouira, Tanger, Fès, toutes ces Rabat, toutes ces belles villes, j'aimerais les mettre en valeur à travers le sport. En France, je travaillais dans le bâtiment. J'ai dû travailler beaucoup à droite pour mettre de l'argent de côté et vraiment pour me consacrer à fond au sport. Car si tu veux devenir champion, il faut s'entraîner comme un champion. Et s'entraîner comme un champion, c'est 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir. Entre-temps, tu dois dormir comme un champion, tu dois faire ta sieste parce que c'est primordial. Tu dois bien te nourrir avec la viande, voilà, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc c'est difficile, donc c'est pour ça je cherche beaucoup de sponsors. Je cherche des sponsors, des personnes qui pourraient m'aider à continuer à vivre de ma passion. L'Europe aujourd'hui, vu de l'intérieur au Maroc, on pense que c'est qu'il y a de l'argent par terre. On pense que tout est rose, que toutes les filles sont belles, que tous les hommes sont beaux. On pense qu'il y a du travail partout. On pense que les appartements sont gratuits. On pense que tout est beau là-bas. Oui, c'est beau. C'est beau dans les cartes postales. Parce que l'envers du décor, c'est pas le même. C'est dur. Et je tiens à dire à tous les Marocains qui. L'équibrium chou l'kharij. L'équibrium hargo bach mchou l'kharij. Ou ma andhomch. ما عندهمش واحد البروجي وما عندهمش خدمه تماك وما عندهمش فاميلا شنو غيديروا غير غيتلاوطوا في الزنقه وغيتعذبوا مساكن حسن يبقاو تماك ويتعذبوا في بلادهم كما يتعذبوش في بلاد اخرى حيت ماشي بحال سي يا با بروجي لا ما عندكمش بروجي لا ما عندكمش فاميلا تماك اللي قال لكم اجي وعندي خدمه ليكم الحاجه هكا ولا قرايه ولا تقراو تماك واخا ما جاش باش تمشوا تحرقوا وتعذبوا هنا حد عندكم بلاد عندكم بلاد زينه à court terme j'aimerais venir m'installer ici inchallah pour mettre mes projets en œuvre ici que ce soit à Casa que ce soit à Marrakech que ce soit à Essaouira un peu partout dans le Maroc inchallah pourquoi parce que voilà je me sens bien ici je me sens à l'aise. On me met à l'aise ici aussi. Et voilà. Allah al-Malik al-Watan, comme on le dirait si bien. Et je remercie tout le monde. Voilà. Et ça me donne chaud au cœur quand on me reconnaît dans la rue. Et quand on prend des selfies avec moi. Et bah franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est ça pour moi ma plus grande victoire. Et c'est pour vous que je me bats. Et Inch'Allah, je ne lâcherai rien pour vous. Continuez à me soutenir parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. Voilà, j'ai besoin de vous, que ce soit Marocains, Français, les Belges aussi qui me suivent. Voilà, j'ai besoin de votre soutien. Bledi, Moraya, Mednsaounich, Aïch el Maghreb.